Voilà, hello la crypto famille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve eh bien pour l'épisode 12 de notre challenge Road to Rain. Et pour ce faire aujourd'hui, eh j'ai décidé d'acheter les crypto-monnaies préférées eh bien, de l'un de tes youtubeurs. Après, euh, c'est aussi l'un de mes youtubeurs, on va se le dire. Et j'ai choisi euh, Charlie Sedin parce que les cryptos qu'il propose ne sont pas forcément les cryptos bah, les plus connus, mais euh, sont néanmoins eh bien, des crypto-monnaies qui restent très intéressantes. Et malgré le fait que je ne sois pas sur KuCoin ou Gay.io, bah, j'ai dû euh, choisir. 5 crypto-monnaies parmi son dernier top 10. Donc, bien sûr, si tu veux connaître quelles sont ces crypto-monnaies que j'ai acheté et quelles crypto-monnaies j'ai ajouté à son top, et eh bien je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire. Donc très rapidement, Charlie Sedin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur euh, crypto. Donc, je vous invite tout de suite eh bien, à aller sur sa chaîne YouTube et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la petite cloche de notification pour ne rien rater eh bien, de ses prochaines vidéos. Donc, bien sûr, dans sa vidéo, il propose 10 cryptos à acheter aujourd'hui. Donc, une dizaine. Moi, j'en ai choisi que 5. Euh, simplement parce que j'ai pas forcément spécialement envie d'acheter toutes les crypto-monnaies, non pas qu'elles soient pas intéressantes mais simplement parce qu'elles sont sur le réseau Ethereum là où je suis essentiellement et eh bien sur la Binance Smart Chain voire Polygon mais euh, rarement sur le réseau euh, bah, sur le réseau Ethereum parce que je ne passe pas par Gate.io à chacun ses spécialités et euh, pour ce qui est de Mr Charlie Sedine et eh bien ça va être euh, bah, tout ce qui va être gate.io peut-être les launchpads etc etc mais voilà c'est pas spécialement ma spécialité mais je vais quand même acheter ces cryptos en tout cas les cryptos qu'il nous propose euh, dans sa vidéo mais voilà, aujourd'hui j'ai choisi, choisi 5 cryptos de Mr. Charlie Sedin. Et la première n'est pas vraiment une crypto qu'il aura a proposée dans sa dernière vidéo, mais une crypto dont il nous aura quand même parlé, qui n'est tout autre que le Meta Vipad, euh, classé numéro 426 actuellement en termes de capitalisation euh, des cryptos. Et nous avons un cours actuel à 0,44,8 cents. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui n'ont pas trop suivi la hype, en fait, MetaVipad, j'ai essayé de le sniper, ça a pas donné grand chose parce que j'ai pas réussi. Voilà, on était en live, mais on n'a pas réussi à le sniper. Euh, en attendant, le MetaVipad, en fait, c'est une plateforme, si vous voulez, qui va faire un lancement de crypto. To the Moon, un lancement de crypto to the moon euh, lié au Metaverse. Donc euh, moi je me dis que MetaVipad, c'est une bonne crypto-monnaie. Il en faut par contre énormément pour pouvoir euh, profiter des cryptos to the moon qui arriveront sur la plateforme MetaVipad. Mais euh, moi je suis plutôt là pour spéculer sur le cours de la crypto. Donc je vais en acheter. Euh, je vais en acheter pour une vingtaine de dollars, 15 dollars, quelque chose comme ça. Donc hop, MetaVipad. Donc c'est super, on achète 0,03 metavipad au, on en a à peu près 35.06 donc on clique sur swap. Alors je vais juste faire un truc, c'est que euh, j'ai un slippage tolérance là à 49 et je vais le mettre à 5 ça va être très bien. Hop, je vais cliquer sur swap et normalement ça devrait bien se passer. Ok, on va confirmer. Donc, on en a eu pour 16,12 dollars avec les frais. Donc, on peut revenir sur notre navigateur et on voit qu'on a bien reçu nos MetaVipad. Donc, ça, c'est cool. Hop, je fais ça. Et vous voyez que j'ai meta, mes MetaVipad sur ma balance. Donc, je vais pouvoir les ajouter juste ici. Voilà, ajouter un jeton personnalisé réseau Smart Chain. Adresse du contrat, on fait juste coller. Et voilà, tout se fait automatiquement. Donc, je ne vais pas forcément rajouter directement tous les, toutes les cryptos que je vais acheter. De toute façon, vous voyez le montant là à peu près des cryptos euh, de mon wallet, ça a plutôt bien baissé hein, bah, depuis, euh, depuis la, la baisse hein, du marché des cryptos. Mon wallet aussi a, a bien baissé, mais bon. Euh, ça c'est normal. Donc Metavipad c'est fait. Metavipad c'est quand même une communauté à hein. 170 000 euh, personnes sur Twitter et 91 000 personnes sur leur canal d'annonce euh, Telegram. Donc ça c'est super. C'est dans la boîte et c'est moi qui l'ai rajouté. Maintenant, je vais vraiment passer aux 4 cryptos que j'ai choisi et eh bien de la dernière vidéo de euh, Mr. Charlie Cédine. Donc on va commencer par le Binamon. Binamon, tu peux le voir juste là, c'est un jeu euh, GameFi euh, game. Euh, alors, Play to Earn, game GameFi Metaverse, il est super beau. Euh, j'ai beaucoup aimé en fait, euh, si tu veux, les graphismes. Donc je me suis dit, en plus, ça me rappelle un jeu que j'ai beaucoup apprécié durant mon enfance. Et ça me rappelle tout simplement Pokémon. Et euh, comme euh, Mr. Comme, euh, Sedin avait l'air euh, convaincu, je me suis dit que bah pourquoi pas euh, la choisir. Donc bien sûr, j'ai fait rapidement mes recherches. Ils sont quand même... Plus de 104 000 membres sur euh, Twitter et plus de 37 500 membres sur Telegram. Donc je préfère quand même signaler que ce genre de crypto-monnaie, bah, moi je compte les garder sur le long terme, d'accord. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de pressé euh, lorsqu'il s'agit de crypto monnaie euh, genre euh, avec une grosse communauté non listée. Il faut, faut savoir être patient quand même un petit peu. Donc voilà. Euh, donc le méta. Euh, non, pardon, le binamon, bah, pareil, je vais en acheter. Donc pour ce qui est du binamon, bah de la même façon que pour le metavipad, je vais devoir l'ajouter euh, sur Pancake. Voilà, je clique sur Import, yes, c'est super. Et pareil, de la même façon, je vais en acheter pour 0.03 BNB. Donc ça fait quand même une quinzaine de dollars. Donc là, vous voyez, j'en ai pour 0.03, j'en ai pour 120.88 euh, bémon. Donc je clique sur Confirme. Donc là on voit que j'en ai pour 16,10$. Je clique sur confirmer. Voilà, puis bah, je vais quand même l'ajouter vite fait à mon wallet très rapidement tant que j'y suis. Hop. Comme ça, j'oublierai pas. Voilà, ouais. en plus il est déjà fait. Donc c'est super. Voilà pour ce qui est du bémon. Passons tout de suite à la troisième crypto-monnaie. Et bien de ce top 5 que je vais acheter aujourd'hui. C'est le bloc Topia. Donc, même crypto qui a été proposé par. Euh, bah, par euh, Charlie Cédine. Donc là, pareil, sauf que cette fois-ci, on va être sur le réseau, euh, sur le réseau Polygon. Donc, du coup, je vais rester sur mon PC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est aussi disponible sur euh, Qcoin ou Gate.io. Malheureusement, euh, je n'ai pas ces deux plateformes, enfin ni l'une ni l'autre. Donc, je vais devoir passer par la blockchain Matic pour pouvoir en acheter. Donc Effectivement, bah, si tu ne sais pas trop comment on fait, c'est exactement ce genre euh, de compétences que je développe dans ma formation petit à petit. Donc là voilà, le bloc tu vois il est juste là. Alors pour ce qui est euh, pour ce qui va être du bloc, je vais passer par deux cryptos pour l'acheter. Je vais passer par l'USDC parce que j'en ai un peu. Euh, bah non en fait je vais passer que simplement par l'USDC parce que je voulais pour à peu près 15$, dollars. donc c'est parfait. Euh, je clique sur approve USDC. Donc là, je suis sur la blockchain euh, Matic. Donc forcément, je vais avoir besoin de Matic pour ce qui est bah, de payer les frais. Donc je clique sur approuver. Mon MetaMask eh bien, accepte euh, normalement l'accès à, à mes cryptos euh, sur QuickSwap. Voilà, ça devrait bien se passer. Là, c'est en approving. Donc normalement, on devrait pouvoir être bon. Donc là, je vais mettre le max. Je vais cliquer sur swap et euh, on voit le trajet que va faire notre crypto. va passer par l'USDC, de l'USDT. Et enfin par le bloc. Donc pour 14,15$, on en a 253. Normalement, je clique sur confirme swap. Yes, ça devrait plutôt bien se passer. Confirmer. Et ok, super. On va avoir notre bloc. Donc pareil, là, je vais l'ajouter directement. Donc, de la même façon que pour les autres cryptos, bah je vais tout simplement l'ajouter à mon MetaMask eh bien pour pouvoir euh, m'en rappeler. Parce que sinon, je, vais, je risque d'oublier. Donc là, je colle le contrat. Hop, import OK. Donc là, pour l'instant, ça me met que j'en ai zéro. Soit la transaction est en cours. Oui, c'est bon, je les ai. En fait, je les ai, mais c'est juste que la transaction est en cours. Donc, super. Ça ne devrait pas tarder à apparaître. Donc, là, on a déjà acheté 3 cryptos. Ok, ça y est, on a nos superbes blocs. Donc, ça, c'est terrible. Je suis très content. On a déjà acheté 3 cryptos euh, sur les 5 qu'on avait regardés. Donc le bloc Topia quand même, je vais t'en parler très rapidement, c'est pareil, c'est du game to play, euh, c'est du gameplay pardon, GameFi Metaverse avec les NFT sur, euh, bah, sur la blockchain euh, des crypto-monnaies. Donc c'est le tout basé cette fois-ci sur la blockchain Polygon et non pas forcément sur la Binance Smart Chain ou sur le réseau Ethereum. Comme tu peux le voir, c'est un gros projet avec de magnifiques graphismes, d'accord Sur Twitter, ils sont plus de 312 000 membres, donc c'est. Une communauté vraiment spatiale et sur Telegram ils sont plus de 127 000 membres donc quand même tu peux te rendre compte de l'impact et eh bien de la communauté. La quatrième crypto que j'ai décidé euh, de choisir et eh bien c'est le Chain Guardians et euh, de la même façon je vais pouvoir cette fois-ci le retrouver quand même sur la Binance Smart Chain. Il était aussi disponible sur le réseau Polygon ou Ethereum mais euh, ben, Binance Smart Chain actuellement n'est pas comparable. En termes de frais, en termes d'accessibilité surtout, eh bien donc je vais passer par le réseau Binance Smart Chain pour acheter mes Chain Guardians. Donc pour ce qui est euh, des Chain Guardians, pareil, c'est un Play, Earn, Fight. Donc euh, c'est une crypto, pareil, hein, de la même façon, vraiment GameFi, Metaverse. C'est à comprendre que de nos jours, tu es là, tu te demandes, tu te dis... Hmm, c'est quoi la prochaine hype Est-ce que ce ne serait pas les NFT Est-ce que ce ne serait pas euh, les Launchpad Est-ce que ce ne serait pas la métaverse Bah, à toi de voir où est-ce que tu veux te spécialiser. Et moi, je me dis, pourquoi pas Eh bien, être plutôt bien exposé à un secteur qui risque vraiment d'évoluer euh, vraiment bien, en tout cas, de, de, de bien s'adapter au futur. Ça, c'est vraiment euh, mon objectif en ces temps-ci avec l'exposition que j'ai auprès de la GameFi métaverse. Donc euh, cette fois-ci au lieu d'acheter du Bémon, et eh bien je vais acheter euh, du CGG, d'accord Hop, donc je clique sur Import, etc. Donc comme je vous l'ai dit, pareil, c'est un, un jeu GameFi Metaverse, d'accord, avec une communauté quand même assez strong. Encore une fois, on est à plus de 72 000 followers euh, sur Twitter et plus de 37 800 membres sur Telegram. Donc là, euh, clairement, eh bien Charlie Sedin, Charlie pardon. Nous a mâché le travail, donc clairement je peux me permettre d'y aller un peu les yeux fermés. C'est pas ce qu'il faut faire, mais euh, je peux me le permettre. Donc ok super notre achat vient de passer. Je vais cliquer sur ajouter le contrat. Euh, super, on a le contrat qui apparaît directement. Donc de la même façon que pour le reste, c'est apparu en un clin d'œil. Ok donc faites pas attention durant la vidéo. J'ai reçu 175 BUSD. C'est pour ça qu'on est passé de plus de 800 dollars à à 1000 dollars, mais faites pas gaffe, euh, quoi qu'il arrive, on est toujours à 860 dollars. Voilà, faut pas y faire attention. Euh, Est-ce que j'ai vais Non, je vais pas les désactiver, mais voilà, je vous le dis, c'est juste pour la vidéo. Ne faites pas attention à cela. Donc, euh, on en est déjà à 4 cryptos euh, achetés. Normalement, on est bon. Je revérifie quand même qu'on est bien euh, nos tokens. Normalement, c'est super. Yes, ok. Donc là, on les a bien. Vous voyez dans la balance, on en a 16,46. Donc, c'est super. Et il va nous rester plus que la dernière crypto-monnaie. Vous en avez sûrement entendu parler de cette dernière crypto-monnaie. C'est le Sidify Found. Et je vais vous expliquer ensuite mon raisonnement. Pourquoi est-ce que j'achète celle-ci et pourquoi est-ce que j'ai acheté MetaVipad En fait, si vous voulez, le Sidify Found, actuellement, c'est plus de 50 000 personnes qui likent la page. MetaVipad, c'est déjà 18 500 personnes. Donc, en soi. On a, un, on a un très bon suivi euh, de la part de la communauté pour ce qui est du Metavipad. Donc ça, c'est excellent. Et euh, de la même façon que pour Seedify Fund, en fait, j'ai regardé un peu le graphe et je me suis rendu compte qu'il y a un peu plus d'un an, enfin, il y a un peu plus de six mois plus tôt, euh, le cours du Seedify Fund était monté voilà, à 5 dollars. Puis derrière, il s'est un peu effondré aux alentours des 0.4 cents. 0.4 cents étant quasiment la moitié du prix de son lancement, d'accord Et actuellement, eh bien, le Metavipad, il est au même prix que euh, le CD5 Fond à son plus bas. C'est pourquoi eh j'ai décidé d'acheter euh, MetaVipad. Si vous voulez, j'espère qu'il me proposera des gains aussi beaux que ceux du CD5 Fund en allant toucher de la même façon les 10 ou 15 dollars, ce qui franchement me semblerait pas déconnant. Et pour ce qui est du CD5 Fund, si vraiment eh bien, euh, le secteur des launchpads vient à s'améliorer, enfin pas à s'améliorer, mais en tout cas à se démocratiser clairement, CD5 Fund c'est du 20, 30, 40, peut-être plus. Peut-être plus de 50 dollars par euh, crypto. Donc, c'est pourquoi aussi j'ai décidé d'en acheter. Pour ceux qui ne connaissent pas, si tu veux le cd et eh bien c'est une plateforme de lancement de, lancement, pardon, de euh, Launchpad de crypto-monnaie. Là, par exemple, tu peux voir qu'il y a le Bit Hotel qui va bientôt commencer euh, en public sale, etc. Bref, il lance pas mal de crypto-monnaies. Et euh, bien sûr, une fois que les lancements se passent, souvent c'est genre, c'est un tout-the-moon instantané. C'est pourquoi, eh bien... On va essayer d'en acheter tranquillement nous aussi peut-être à l'avenir pourquoi pas même avoir un tiers sur Seedify Fund. CD5 Fund c'est une communauté sur Telegram avec plus de 40, 86 000 pardon, personnes et sur Twitter avec plus de 450 000 personnes donc là on a quand même un sacré gros incubateur donc tu t'en doutes donc tu t'en doutes et eh bien je vais investir dans cet incubateur tranquillement mais sûrement pour ce qui s'agit de mes Challenge, enfin de mon challenge, pardon, Road to 1M. Donc, let's go pour ce qui est du CD5 Fund qui ont été achetés. On a bien notre MetaVipad, CD5 Fund Binemon, CGG. Et ensuite, je vais passer du coup sur l'ordinateur pour ce qui est eh bien, de, notre, euh, de notre bloc qui nous a été proposé aussi par Charlie Sedin. Donc, en résumé, aujourd'hui, eh bien j'aurais rajouté ma petite graine si tu veux en rajoutant le MetaVipad à ce top 5. À ce top 5 et euh, j'aurais aussi acheté donc du coup Blocktopia qui a été proposé par euh, mister Sedin, j'aurais acheté binemon j'aurais aussi acheté euh, CD5 fund et enfin j'ai acheté le cgg dis-moi dans les commentaires eh bien si tu kiffes ce genre de vidéo et si toi-même tu disposes de l'une de ces cryptos ou tout simplement si tu ne le connaissais pas eh bien je t'invite à follow euh, mister Sedin. Je te mettrai bien sûr le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Sur ce, si tu as kiffé la vidéo, bah de la même façon que je t'invite à lui mettre un pouce bleu, je t'invite à me mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'était Samah, je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements. Ciao, ciao!